Hey, salut tout le monde, c'est Thomas pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième quête, le plein d'octane. Bon, là je pense que c'est octane qu'il va falloir qu'on joue et on va rester à la fin parce que on va faire également l'unboxing. Et oui, j'ai enfin les 20 packs d'Apex. Alors, déjà octane, déjà voilà, on va mettre la ruée vers l'or. Voilà, on va mettre ce skin là. Alors, j'en suis où moi? 35. J'ai bientôt ça. Ok. On va falloir que je me remette un petit. Ah, j'ai bientôt le truc de la Kraina. Alors, c'est parti. Le plein d'octane. Alors, pour un peu dans l'épisode précédent, Octane est parti tout seul alors qu'il devait continuer à faire l'espion pour Bangalore. Wow. Bon, j'espère que ça va bien se passer parce que c'était un peu chaud la troisième. Allez, go. What? Je peux pas jouer au clan? Oh, fais chier. Bon, bah, Rignant, là. Ah, mais pourquoi j'ai pas le... Ah, mais j'ai Golden... Ok, j'ai Golden ouais, Armor et sac à dos. Bon, bah... Ok, Octane et Pathfinder sont inaccessibles. Bon, bah, Rignant. Oh, c'est dommage, je voulais prendre Octane. Bon, tant pis. Alors, j'avais pris qui? Octane, Mirage, Pathfinder. Bon, bah, maintenant, c'est Rignant. Alors, survivez pendant que Pathfinder localise le site d'extraction. Et Octane doit se trouver dans les parages éminant déjà une partie des rôdeurs. Ensuite, on cherchera notre ami. Ah, d'accord, c'est lui qu'on cherche. On cherche cet abruti. Éliminer les ennemis. J'adore cet endroit, mais je prends la pièce et je repars en vitesse. Oula. Ah putain! Dégage! Oula, je me casse! Faut que je reste. Ok. Dégage. Faut que j'aille chercher d'autres trucs. Ok, je suis pas doué. Ah, hop là. Ah, y'a plein de trucs ici. Voilà. Déterrer l'artefact caché. Merde. Ah putain. Dans le mille, j'ai les coordonnées du prochain objectif. Non, arrête-toi, arrête-toi. Et merde. J'ai intérêt à trouver plein de trucs en fils des vies. Ah putain, je lag. Ah, ça c'est encore mes vieux ça, hein. Ils peuvent pas s'empêcher de me faire laguer. Ah, y a plein de tremplins en tout cas. Non, putain de merde. Casque en or. Ok. Ok. Ok, je prends ça. C'est parti.
Ok. Non, putain. Ok, là, va pas. Là, ça va être un petit peu chaud parce qu'il peut vraiment arriver n'importe où et j'ai pas de zone pour me planquer. Ok, là c'est chaud de ouf. Et avec mon lag, ça m'aide. Avec mon lag. Ok. Je l'ai. J'ai la pièce, c'est le moment de partir. Ouais, on se casse, échappez-vous. En plus, avec tous les tremplins, ça va être easy. Pas sûr, avec tout mon lag. Hop. J'y suis. Ouf. Et voilà le travail. Succès. Oh putain, mais mes parents, quoi. Ah, mais sérieux, quoi. Ils me font grave laguer, j'en ai marre. Bon, l'histoire et le unboxing. Alors, frag 24, d'accord. Le kidnappeur spontané. Ah là, c'est Lifeline maintenant. Amène tes fesses dehors, sergent. Il faut qu'on parle. Je frappe à la porte de Mangalore depuis 3 bonnes minutes pour qu'elle, qu'elle répond quand elle répond enfin. Qu'est-ce qu'il y a, Jay? Comment s'est passée ta mission ce matin? T'as vu des tremplins sur ta route? Je prends la lettre qui était collée sur le front de Watson et je lui la fourre dans la main. Octan! Ça vient de Silva, ou devrais-je dire Octan, vu que t'as jamais pris la peine de retenir son vrai nom, Lila. Elle lit, je connais déjà les mots dont elle prend connaissance. J'ai lu le message au moins 10 fois sur le trajet. Ah mais au fait, mais Octan, on l'a pas vu. Salut, Chi. Je viens de, enfin de comprendre. Je sais pourquoi vous avez tous voulu que j'aille à ce rendez-vous avec Yoko, soit dit. Disant, c'était parce que j'avais effectivement rendez-vous avec Yoko. Mais en fait, c'était pour m'empêcher d'accomplir ma destinée de défier le danger, mon triple D, quoi. Je suis pas du genre à rester sur la touche, alors je le ferai quand même, car je suis Octavio Silva, et si je dois mourir demain, ce sera un feu, ce que je fais le mieux. Et si le rideau doit tomber, il faut que tu saches un truc. Je lui reprends la lettre avant qu'elle ait le temps de la retourner, le reste est privé. Il est allé dans ce truc et a affronté tous ses rôdeurs tout seul à cause de ce que t'as fait, il a disparu. C'est Octane, tu sais, il est sûrement perché dans un arbre avec une boisson fraîche et ce soir quand il entrera, il sera tout bronzé, sinon j'enverrai une équipe d'extraction. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer, Fissa. Il a besoin de récupérer, tu es bien placé pour savoir si je les en... Moi qu'ils sont fatigués, ça ferait des blessés. Tu veux avoir des sangs sur les mains? Tu vois ce fois? Tu veux avoir celui de Silva sur les tiennes? Tu me vois bien ça? Je te dois rien du tout. Elle me repousse et me ferme la porte au nez. Hé, je partirai pas, reviens ici. Pas de réponse. Ok, chier. Et t'as plus tellement le choix maintenant. Tu vas devoir reprendre des choses en main. Je passe un coup de fil au bar. Race, chier, j'aurais peu. Donc tu me rencardes. Race me donne toutes les infos nécessaires pour retrouver Yoko. Je me doute qu'elle sait qui je suis. Mais la tête qu'elle tire quand elle ouvre la porte m'a... dit qu'elle n'est pas ravie de me voir. Encore? Vous n'avez pas vu les légendes? Ouais, salut, patient. On n'a pas envie d'entendre ça, mais j'ai besoin de ton aide. Elle essaie de me fermer la porte, mais j'ai eu ma dose de porte qui claque pour aujourd'hui. Dans la panique, je l'attrape par le poignet et je l'entraîne dans le couloir. La porte se verrouille. Espèce de malade, lâche-moi tout de suite. Non, tu viens avec moi. Vous n'allez pas... Vous êtes en train de m'enlever? Bon, au point où t'en es, chez t'as plus que ça. T'es plus à ça près. Tu m'as vu à la télé. T'as vu ce que j'étais capable de faire et je peux faire encore pire. Elle est terrifiée. C'est pas ma plus grande fierté, mais la vie de Silva est en jeu. De retour, elle a un pas devant dans ma porte de Bangalore, je frappe pour la troisième fois de la journée. Quoi encore?
Ça va, t'énerve pas, Yoko, je te présente Anita Williams, tu la connais sans doute mieux que sous le nom de Bangalore. Oui, c'est m'a tout raconté. Je sais que tu as dit à O que tu voulais un autographe collector de Bangalore. Je signe pas d'autographe. Qu'est-ce qui te prend, Lifeline? Tu te pointes chez moi et. Écoute-moi, tu lui files ton autographe, elle te donne du lourd sur le bas et moi, je peux. Bas et moi et. Le bas et moi. Sur le bas et moi, je peux sauver O. Comme ça, tout le monde est content et on discute pas. Peut-être que tu te fous de lui, mais je vais te dire un truc. Il m'a mis un futal pour. Il a mis un futal pour toi, Bangalore. Ça peut paraître con, mais pour lui, c'est pas rien. Ça montre qu'il te respecte. Ouais, et c'est moi qui lui ai forcé à rentrer dans ce portail tout seul. Non, c'est pas toi, c'est moi. Je lui montre le verso du message de Silva. Et le rideau doit, Silva. Et ce rideau doit tomber, chez, il faut que tu saches un truc. C'était Van sur les comptables qui m'ont le plus tué. On dirait que pour une fois, c'est moi qui devrais te faire la tête, non? Ceci dit, ça me soulagerait pas. En revanche, un peu d'exercice. Tout juste, c'est de ma faute de A à Z et je regrette. Est-ce qu'on peut passer à la suite? La vie de cet idiot est en jeu. Je baisse les yeux, mon drone de médecin ronronne à mes pieds, le silence semble durer une éternité, puis. T'aurais pas un stylo? Je vous dirai ce que j'ai dit à Octane sur le bas. Elle tient parole et en prime, elle nous transmet la description de l'arrêt à la réunion. C'est tout ce que je voulais, Bangalore et. Je voulais Bangalore et même un peu plus. Yoko obtient son autographe et je lui ajoute un bonus pour le dérangement. De retour au bar de Mirage, tout le monde est là. Crypto Watson fixe le réseau rétinien et. Comment ça, rétinien? C'est comme pour les yeux? Ce truc a des yeux. Ah, bah enfin, il dit Brota. Ah, j'ai dit la même chose. Bon, pas le temps de discuter. Lutter de ça, Kibi. J'ai besoin de rang. Bon, on va chercher Sylvain. Gibraltar est toujours là pour toi, Frangine. Alors qu'on se dirige vers le portail de Wraith, j'entends Bangalore passer à l'acte. Hé, Loba, faut qu'on discute. Ah oui, bien, on peut se retrouver dans un coin tranquille si. Pas la peine. Approchez, légende. J'ai un petit truc à vous montrer. La vraie raison pour laquelle on risque tous nos vies. Et ça n'a rien à voir avec un trésor. C'est One, fais-la payer Bangalore pour Watson, pour Silva. Je viens de sauver O, et t'as intérêt à être en un seul morceau quand j'arrive. Ou ça chauffera pour toi. Chapitre suivant, la menteuse consciente. Il semblerait qu'on va. Là, chapitre suivant, on va enfin savoir ce que c'est en fait cet artefact. Wow, ça prend forme, hein, mine de rien. Ok, bon, ça c'est fait. Allez, les packs maintenant, c'est parti. J'en ai 20. Premier pack. Oh, direct légendaire. Oh, une exécution. La première. Topman 5. Hop là. Ah, ma première exécution. Ma première nouvelle exécution. Ah, je m'attendais pas à la voir. Tiens. Bon, bah, ça fait ça en plus. Ok, juste un rare. Bon, un skin au moins, j'ai ça. Gibraltar. Ouais, bon, j'ai déjà un skin légendaire pour Bangalore. Ok, un rare. Un skin pour le Mozambique. Ah, cool! Et le Craveur. Suivant. En deux rares. Ouais. Ok, si tu veux. Et suivant. Ah, un rare. Réplique d'intro. Ok, j'ai 3. Ok, bon. Ah, épique. Oh, pas mal, pas mal. Ah, un autre skin pour Caustic. Ok, suivant. Un rare. Ok. Surprise. Hein?
Et les crabeurs. Non, je crois que c'était un sortilège, je sais plus. Encore un rare. Ouais. Oh, bof. Qu'est-ce que tu veux? Bon, toujours pas. T'as échoué, mais je vais pas juger. Préfrag, je vais mettre le. Je vais le mettre. Berk. Suivant. Encore un rare. Encore un skin pour Caustic. Je vais tous les avoir pour Caustic si ça continue. Ok, plus que 10, on en a la moitié. Un rare. J'ai l'impression qu'on va s'amuser. Loba. Il est pas mal, mais bon, bof. Allez, suivant. Ah, épique. Ah, enfin, Kin. Un skin épique pour Gibraltar, ouais, tant mieux. Réanimation, Caustic, 93, allez quand même. Bon, j'ai eu deux épiques. Si je t'ai battu, c'est juste parce que je veux gagner. Attendez, je vais me tuer là. Et mise en jambe. Ah, attends, je vais le mettre lui. Suivant. Ah, épique. Troisième épique. Ah, un charme. Kit Phoenix, d'accord. Ok. Ok, bon, j'ai eu un charme. Ah, double rare. Matière première. Avec une arme de pack de soutien 13, ok, d'accord. Ah, un peu de rare. Le Wigman Alternator. Ok, si tu veux, plus que 4. Ah, épique. Je sais même plus là, j'ai perdu le compte. Ah. Bah pour le bas, bah c'est cool, voilà, j'ai un truc pour le bas. Mais elle roule complètement du cul. Je pense que c'est le personnage le plus sexy actuellement du jeu. Cette fois, c'est mon tour. Ok, plus que 3. Encore un épique, bah dis donc. Ah, pour Pathfinder. Voilà, je pense que là j'en ai 3 qui bougent, je sais plus, je vais faire que je check. Qu'est-ce que tu veux? Et pour la sentinelle, cette arme de merde. Bon bah je pense que j'aurai qu'un seul légendaire. Mais bon, pour Pathfinder c'est cool. Frag gagnant, Revenant 2. Frag en tant que leader, Gibraltar 4. Et pour le longbow. Allez, le dernier. Bon bah voilà. Bon, j'ai eu qu'un seul légendaire. Attendez, je vais le mettre. Voilà. Le Mastiff et le R99. Voilà, voilà. Alors. Alors, déjà. Pour Pathfinder, j'ai. Voilà, pause. Voilà, combinaison gagnante. Tape le tapement 5. Hop. Non merde. Pour l'Oba. Merde. Ah ouais. Bon bah voilà. Bon bah c'était plutôt une bonne unboxing. Au moins un légendaire, ça c'est cool. Bon bien on va se stopper ici. Merci d'avoir regardé. D'ici là, lâchez un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez à plus.